Je suis inspiré par, les gens inspirants. C'est super. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 24 ans, je suis un des deux cofondateurs de Explo. Explo, c'est le Waze du voyage à vélo. C'est une application mobile qui accompagne les voyageurs à vélo pendant leurs aventures. Alors très concrètement, c'est un GPS de vélo qui permet de tracer des itinéraires entre plusieurs ponts et qui a la particularité de montrer ce qu'il y a autour de soi et dont on a besoin quand on voyage à vélo, donc un point d'eau, un endroit où dormir, une jolie route, un joli village, mais également les voyageurs à vélo autour de soi et pouvoir leur envoyer un message. Alors oui, un petit jeu de mots. C'est la contraction de deux mots, c'est hexagone et exploration. D'ailleurs, le logo l'indique un petit peu. C'était cette idée de mettre l'aventure au centre du voyage et de se dire qu'on n'a pas besoin de voyager très très loin pour être très dépaysé. Donc le côté l'hexagone, la France. Waouh, la vache, c'est chaud les gars. Bon, la première chose, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Au début d'Explo, on se disait, bon, dans 6 mois, c'est plié, ça tournera tout seul. Bon, 2 ans et demi plus tard, on se rend compte qu'on n'a pas encore complètement craqué le truc. Et un des autres enseignements, c'est qu'on a eu tendance à vouloir faire trop de choses en se disant que plus on serait complet, mieux ça marcherait. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, ça vaut plus le coup de se concentrer sur un petit truc et de le faire parfaitement avant de développer d'autres features. Bah oui, carrément, c'est pas encore disponible, mais on est vraiment en train de créer un outil assez révolutionnaire qui permettra de trouver l'itinéraire en fait, qui te correspond en fonction de ta durée, de l'endroit d'où tu veux partir ou pas, de ton niveau, et qui te fera passer par des segments, des routes vraiment quali, et qui t'assurera de trouver un voyage vraiment vraiment chouette et hyper personnalisé. Et au moment où cette vidéo sort, j'espère que ce sera live. Et est-ce qu'on a envie de s'entourer bof. Ça, on garde au montage. Est-ce que je suis en vrai, en plus, la réponse est oui. Mais en fait, carrément. Je sais pas dans quelle mesure c'est une interview genre de la marque ou de moi. Moi, je sais que je sens le besoin de m'entourer en ce moment en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO, genre d'être accompagné par des gens qui ont déjà bossé des stratégies de start-up et à qui je peux me confier aussi personnellement sur comment on se sent en tant qu'entrepreneur à l'échelle individuelle aussi. Donc peut-être des mentors et des accompagnants qui ont de l'expérience de la bouteille et qui peuvent t'accompagner dans la stratégie. Moi, j'ai entrepris parce que j'ai été inspiré par d'autres entrepreneurs. Et je pense que des mecs comme Oussama Hamar, comme Guillaume Gibault, fondateur du site français, ou Stanislas Gruau, fondateur de Explora Project, sont des gens qui m'ont beaucoup inspiré et donné envie d'entreprendre. Et d'autres personnes comme Maud Caillot ou Lucie Bache, ou même Nicolas Brusson de Blablacar, sont des gens qui m'ont beaucoup aidé parce que j'avais des questions et j'ai pu leur poser. Enfin, je vais exposer des problèmes et des situations et en fait l'expérience qu'ils ont te rassure. Ils sont déjà passés par là, ils ont réussi à passer au step d'après et c'est ouf de pouvoir reposer sur les gens comme ça. Quoi. Ouais, les gens qui m'ont le plus inspiré, c'est les gens les plus inspirants. Elle est bien celle-là. Mais elle est bien, elle veut rien dire en même temps, je trouve ça vrai. Enfin, tu vois, t'as des gars qui ont fait des super trucs mais qui sont pas nécessairement inspirants. Et t'as des gens qui sont inspirants juste dans leur manière de parler et de s'exprimer et en fait qui te donnent envie. Tu les regardes, tu te dis mais en fait j'ai envie de faire comme eux. Tu vois. Ouais. Ouais, c'est quoi ma plus grande fierté? La plus grande fierté, c'est mon associé et c'est la relation concrète. Et d'ailleurs, tu parlais des obstacles tout à l'heure. Je pense que le plus gros enjeu d'Explo, c'est notre association avec Augustin. L'alignement qui doit être au cœur du projet. Enfin, en fait, si on n'est pas aligné, ça pète. Et il y a eu tout un taf pour s'aligner parce qu'il m'a rejoint un peu plus tard dans le projet. Et du coup, on avait un peu des positions d'Explo au début qui n'étaient pas très claires. Et là, depuis un an, en fait, c'est incroyable l'évolution de notre relation. Mais je pense que c'est, selon moi, le plus gros enjeu de ma vie d'entrepreneur et de la vie d'un entrepreneur, c'est l'association. Baila Morena. Yes, ça va très bien. Baila Morena. Voilà. En fait, on a fait un vlog avec un pote, on a fait Paris-Bordeaux il y a un an, qui est sur YouTube. Et effectivement, où t'as cette musique en fond, quoi. Donc je l'associe un peu au vélo. Ouais, il y a une histoire derrière ça, quoi. Il y a une petite story. Trop bien. Bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que c'est interdit. De. Ah bon? Oui, les affaires. Ah, excusez-moi. Ah, de poser là? Tout le monde. Vous et les affaires. Je peux personnaliser. Ah, ah ben, ok. Bon, ok, t'es pas au courant. Très bien. Ok. Bah,